Coucou, bienvenue sur Sanescrap. Voilà, je vais faire. Vous savez que j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai montré une petite carte que j'ai fait comme ceci. Voilà, qu'on avait vu ensemble. Et j'aimerais faire un petit ensemble parce que j'avais une petite. J'ai fait une petite capsule à tirer comme ceci avec la même personne. Vous voyez le même, même chose que là. Donc je voudrais faire une petite monter ça sur une pince à linge en bois. Alors pour ceci, il va vous falloir un petit morceau de ruban, des petits rubans. Donc moi j'ai pris alors un petit ruban comme ceci, comme ça. Alors, je sais pas si je vais la monter comme ça. En fait, je pense que je vais la monter avec ça. Oui, voilà. Donc non, je ne prends pas ça. Je vais prendre un petit morceau de ruban comme ceci que je vais venir coller au milieu. Donc hop, ma colle-chaule. Vous en mettez sur votre pince à linge et vous venez coller votre morceau de dentelle. Voilà, tout bêtement. Alors, c'est un côté ça ou pas? Oui, comme ceci. Hop, je le colle. Vous mettez bien au milieu. Comme ceci. Ensuite, vous découpez au bout, vous enlevez le surplus quoi de la pince à linge, du ruban pardon, hop, comme ceci. Ensuite je vais prendre une petite fleur de lin que j'ai acheté c'est la marque Artenio avec des petites paires. Donc hop, je vais venir prendre un petit embellissement. Je vais regarder parce que j'ai beaucoup de petites choses là que j'ai pris, voyez, de chez Artenio. Des petites choses comme ça, je vais voir après ce que je vais mettre. Donc hop, je vais venir prendre. J'espère que j'ai une fleur assez grosse. Et c'est des petites. Ça ne m'arrange pas. Je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grosses. Je suis en train de regarder. Peut-être en prendre une comme ceci. Alors je regarde s'il n'y en a pas plusieurs. Ça me paraît bien épais. Comme à chaque fois, on ne voit pas tellement bien s'il y en a plusieurs ou pas. Non, apparemment, il n'y en a qu'une. Donc je vais mettre celle-ci, je vais superposer celle-ci comme ça. Pour celle-ci, hop, je mets un petit brin. Je viens positionner mon autre petite fleur au-dessus. Et je vais mettre un petit brillant rouge comme ceci. Ou alors un petit embellissement. Mes petits embellissements, je les ai mis où? C'est comme ça, je cherche plein de choses et puis après je les retrouve plus. Et voilà. Je ne sais plus où je les ai mis. J'avais plein de petits embellissements là. Et je ne les retrouve plus. Parce que c'est le brun. Voilà. Ben, c'est pas grave. Là, je vais venir chercher une petite fleur comme ceci. Ou alors, je vais la monter directement sur une grande fleur. J'aurais dû faire ça. Je suis en train de regarder, hein. Ouais, ça serait magnifique. Eh bien, regardez. Donc, j'ai pris ce petit ruban-là. Je vais prendre une petite fleur comme ceci de chez Action. Vous voyez, qui se tourne dans tous les sens. Et je vais la coller sur mon ruban et sur ma pince à linge. Bah oui, on va inventer des petites choses. On verra bien ce que ça fait. Allez, hop. Je mets de la colle sur tout le long, sur mon ruban.
Voilà, et je viens coller ma feuille. Hop, comme ceci. Faites attention de ne pas vous brûler. Voilà, vous la mettez bien. Voilà. Et ça vous donne ceci. T'as vu? Ensuite, il faut que je trouve un petit nœud ou quelque chose de très joli. J'aurais bien voulu trouver un petit nœud. Attendez, je vais chercher un petit nœud. Ici, j'ai ma petite boîte à petits nœuds. On va mettre trouver quelque chose. Hop, voilà. Je pense que je vais lui mettre un nœud comme ceci. Et ben voilà, j'ai trouvé. Donc attendez, donc j'ai pris un gros nœud. Je vais prendre une plume. Ma boîte. Oh, j'ai eu peur, il y a quelque chose qui est tombé, excusez-moi. Je vais prendre ma boîte à plumes. Vous allez voir, là je viens de trouver quelque chose qui va faire très joli pour notre embellissement. Voilà, je vais prendre une petite plume comme ça. Voilà, je vais reprendre deux petites plumes en fait. Une comme ceci et une comme celle-là. Je vais les mettre ensemble. Alors, pour ça, je vais remettre un petit peu de colle. Ici. Voilà, et je vais venir les coller. Donc, je colle la plus grande. Hop. Sur ma feuille. L'autre un petit peu plus bas. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un nœud comme ceci. Et oui, il est grand mon nœud. Il est noir, mais je le prends noir. Et je vais venir le coller dessus, là, sur ma pince à linge. Un peu de colle. Voilà. Et je positionne mon nœud. Voilà, comme ceci. J'attends que ça prenne bien. Ça vous donne ceci. Ensuite, je vais reprendre un bâton de colle parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Voilà, 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 voilà. Et là, je vais venir positionner ma petite capsule dessus, sur mon nœud. Donc, pour ceci, eh ben, un masque de pas mal de colle, vous collez sur votre ruban, bien que ça tienne, et vous mettez votre capsule, et vous collez le tout, et vous appuyez. Alors, vous le prenez dans votre main, et vous appuyez. On attend un petit peu que ça prenne. Je vais vous montrer. Voyez qu'on peut vite changer d'avis. Voilà. Ça fait, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, là, j'ai bien envie de remettre. Regardez un peu ce que ça fait. Là, ça fait vachement chic, hein, j'adore, hein. J'aime bien, ça fait joli. J'aime bien, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ensuite, vous savez que je ne vais pas m'arrêter là. Mais non. On va essayer quelque chose. Je me dis que si je mets ça là, voilà. Je vais couper un petit morceau de perle et je vais venir mettre ça comme ça. Mais je ne vais pas le coller, je vais juste le coller en haut et je vais le faire redescendre là. Voilà. Donc vous coupez un bout. Hop.
Et vous allez venir coller votre morceau, votre petite perle, juste là, en dessous, derrière la capsule. Comme ça, vous voyez, vous allez mettre ça comme ça. Et vous allez faire descendre votre collier là. Mais vous allez voir, on va faire bien comme il faut. Comme si ça venait du nœud en fait. Il faut bien le mettre. Je regarde comment on peut le mettre. Voilà. Et le faire partir comme ceci. Voilà. Tout à fait. Ou alors, tout bêtement. Voilà. On va le faire comme ça. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle ici au-dessus de la capsule. Hop, vous écartez bien et vous mettez de la colle. Faites attention. Et hop, vous mettez votre collier de perles. Vous le mettez bien autour. Et en plus ça vous habille la capsule. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous avez vu? Vous voyez, ça vous fait ça. Voilà. Une fois collé, ça vous donne ça. Vous voyez? Ensuite, je vais remettre un petit embellissement juste là. Voilà. Donc ensuite, prenez votre tube de colle. Vous mettez la colle ici. Comme ceci, et vous venez coller un embellissement. Donc voilà, ce qui vous donne une capsule altérée montée sur une épingle à linge en bois avec des petites plumes. Et ça, bah voyez, je vais le laisser comme ça parce que voilà, c'est moi j'aime bien. Alors là, après, si vous avez envie de recouper, on peut même recouper un petit peu le ruban, et je vais prendre mon ciseau fétiche et je vais venir le couper, mais pas de grand chose. En biais. Mais j'aurais mieux fait de rien couper du tout. Bon, bah maintenant c'est trop tard. Je vais le couper comme il faut. Je comprends pas, mais ciseaux ne coupe pas. Voilà. Ouf. Sauvé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le laisser un petit peu plus long. Voilà, comme ceci. Et je vais couper un petit peu mes petites perles. Mais vous ne les jetez pas, vous les récupérez, vos petites perles. Hein. Et là, pareil. En fait, l'autre, je vais la mettre comme ceci. Sur mon petit ruban. Vous avez vu? Comment je vais faire? Donc là, je mets que de ça, une petite bande de truc, et je viens la coller ici. Et l'autre, bah je vais faire pareil. Ça fait plus joli. Alors, que des petits bouts de colle chaude, pas grand chose, vraiment léger. Vous voyez, moi je suis à la fin de mon pistolet, c'est vraiment léger. Voilà, ça va sur votre nœud. Voilà, et là je coupe les petites perles qui dépassent, et voilà, voilà ce que ça me donne. Regardez, donc je vais vous montrer la petite carte en même temps.
Voilà, ça me fait un ensemble. Regardez. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez, ça donne ça en fait. Comme ceci. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc ça, c'est une épingle à linge monté. Donc après, ben, vous pouvez l'enlever et puis le coller sur un embellissement. Hein. Et voilà. Et comme ça, j'ai l'ensemble. Voilà, voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Voyez. Pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous, mes abonnés. Bisous, 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 bisous.